Rebonjour à toutes, donc j'en suis à la deuxième vidéo de la présentation de la collection Printemps-été 2024 Elisa Cavaletti en exclusivité pour le site italianchic.com. Je m'appelle Michel pour celles qui ne me connaissent pas. Donc les deux premières pièces, vous les avez vues, c'était le short et le haut lors dans la première vidéo. Maintenant, je vous présente la superbe jupe sur taille élastiquée. Alors, il faut savoir que cette partie-là, qui est dessous, est rigide. Hein? Et après, vous avez le voile par-dessus. J'ai mis le petit gilet que je recommande à tous. C'est une splendeur. Il s'adapte avec beaucoup de robes sans manches et permet de cacher un petit peu les bras, mais aussi, s'il fait un peu frais, de se couvrir. Dessous, j'ai mis le superbe débardeur avec un pan en voile. C'est une matière qui ressemble un petit peu à du crêpe. Voilà. Il est décliné en plusieurs coloris. Donc tous les coloris sont sur le site. Si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à me solliciter. Donc nous allons continuer avec le foulard. Un très joli foulard, hein, comme d'habitude, imprimé au motif des dessins de la créatrice. J'insiste sur les accessoires qui permettent de finir une toilette. Et qui sont très féminins. Voilà. Ensuite, donc, il y a ce t-shirt. Alors, un point fort, hein, ce t-shirt, je l'ai vendu pour l'instant presque à tous les coups. Il est très agréable, très chic. Et aussi, passe-partout, il va très bien sur un jean, ou même avec cette jupe. Ensuite, nous avons une superbe robe longue. Très légère, très aérienne, avec une partie doublure à l'intérieur. Voilà, fond de robe et le voile par-dessus. C'est un modèle qui s'enfile, le col est asymétrique et il est bordé d'une petite chaîne. Ensuite, il y a celui-là, alors celui-là, je l'adore. Je vous le recommande, il est très 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 beau. Avec ses petits dessins, une strass vert anis. La matière est un mélange de coton élastane et de crêpe. Je n'ai pas la matière sous les yeux, mais je pense que c'est de la viscose. Le dos, sans étiquette, ça donne ça, avec une fantaisie de voile dorée à l'encolure. Ensuite, avec celle-là, elle est splendide. C'est la robe vert anis, la robe longue vert anis. Avec, dans le dos, une patte élastiquée. Voilà. Le motif, un bord lurex doré sur les emmanchures. Et elle peut être mise avec ce très joli pull. En superposé, ce pull à grosse maille aérienne qui peut être porté recto verso et être, ah, il a un très joli détail là avec un EC, un petit bijou, et elle peut très bien être superposée comme ceci par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai une robe courte. Alors, ça peut être tunique ou petite robe. Superbe. Cette matière, comme vous voyez, bouge très bien. Elle accompagne le corps. Donc, mélange de matière ici. Bijouterie là. Pli dans le dos. Des manches un peu resserrées au poignet, à nouer ou à laisser vivre. C'est une question de goût. J'adore. Facile. Surtout quand il fait très chaud. Ensuite, ici, on a ce modèle de robe aussi. Alors, chic, élégance, une manche bouffante, un poignet à nouer ou à laisser vivre, très classe. Avec cet imprimé très beau. Alors, ici, on arrive dans le concept Artepura. Ceci est une chemise classique qui fait partie de la collection continue chez Cavaletti. C'est une robe tout en dentelle, broderie anglaise aussi dans le dos,
Elle est. Voilà, la longueur est au genou, le dos est plus long que le devant, tout le roulé est en dentelle et elle s'attache par un nœud dans le dos. Vous la retrouverez toute l'année, là, elle est en vert anis, ce vert très très doux pastel, mais vous la retrouverez dans tous les coloris sur le site et à l'année. Si elle n'est pas disponible dans la couleur que vous voulez, les délais de fabrication d'Artepura sont actuellement, je dirais, de 2 mois. Voilà. Donc, si vous voulez, pour les fêtes de fin d'année, il faut s'y prendre maintenant. Après, vous avez ce caftan en laine qui fait aussi partie de la collection continue, mais là, exceptionnellement, dans ce coloris. Magnifique pièce, facile à porter, bord de piscine, pour traîner. C'est une pièce exceptionnelle et une valeur sûre indémodable. Donc, le foulard, je vous l'ai montré. Et là, nous allons rentrer dans les bleus. Donc, je vais me changer. Et on continue. Je me suis changée. Donc, avec cette très jolie robe à manches, avec un bord côte lurex fin sur les extrémités. C'est le genre de modèle que j'affectionne particulièrement parce qu'elle passe tout le temps partout et elle nous habille en toutes circonstances et facilement. Donc on a un très joli t-shirt avec un dos plissé, modèle sympathique, à porter. Regarde, montre bien les petits détails de strass. Il y a aussi cette très jolie robe plissée longue en mélange de matières. Avec un haut doré. Je vais peut-être la passer après parce que je l'aime beaucoup. Il y a ici un petit top très sympathique. Top débardeur à bretelles larges, mélange de matière, volant. Ce n'est pas élastane, hein. C'est plutôt habillé. Une robe plus classique, conventionnelle. Avec un très joli bijou. Elle est à la fois sobre et je dirais quand même que c'est un modèle qui correspond à une personne d'un certain âge qui veut rester chic tout en étant sobre. Ah, il y a un pantalon. C'est un pantacourt. Alors, ce pantacourt existe dans tous ses coloris. Il a une superbe broderie sur la poche arrière. Voilà, au fil d'or. Et il est très élastane, donc il emboîte bien la taille. Ensuite, eh bien, on a un t-shirt Cavaletti dans cette même gamme, voilà, un très joli ensemble. Cette matière est très sympathique. Et un espèce de châle. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un cache-épaule. Hop, ça, je peux l'enfiler dessus la robe, par exemple. Elle est à l'envers. Attendez, hop, je recommence. Voilà. Un petit gilet de maille large. Voilà. C'est sympa sur la robe. Mais ça peut être aussi porté avec cette robe-là, qui, elle, n'a pas de manche, donc c'est une petite robe à bretelles avec un dos élastiqué. Voilà, une double bretelle avec un petit bouton. Alors, je sais pas si c'est fantaisie, oui, un bouton fantaisie. La bretelle est aussi montée sur élastique. Et ici, vous avez un point d'exclamation en strass. La coupe est évasée. Voilà. Avec des pinces et des plis en dessous de la poitrine. Ici maintenant, on est toujours dans les bleus ciel. Une chemise en coton avec un bourdon broderie qui fait le long. Regardez ces boutons, ces petites perles de finition. Ça, c'est un modèle hyper léger, hyper sympathique,
hyper fluide, se porte sur un short en jean, facile. Je vais quand même enlever la veste parce que vu que j'ai été obligée de mettre la clim, alors il faut vous dire que je suis à Olioul dans le Var où j'ai le showroom. Showroom qui est ouvert au public sur rendez-vous, il suffit de me téléphoner, et qu'actuellement nous avons 41 degrés. Donc c'est pas le moment de porter des lainages. Voilà, donc vous l'avez vu sur moi, hein. C'est une superbe pièce, je recommande. Ah, et elle existe aussi en plusieurs coloris. Ça finit les toilettes. Cavaletti est très attaché à ces petits détails qui font la différence et la féminité. Alors là, nous avons aussi, je dirais, une surrobe. Peut-être que sur celle-ci, il irait très bien, vous voyez. On peut mettre cette robe et ceci par-dessus. Ou le mettre sur un fond de robe toute simple. Alors là, ce magnifique foulard, il faut que je vous le montre, qui est dans les verts bleus avec un motif doré. Voilà. Et approche pour que les gens voient la texture et la matière. C'est un tissé. On dirait un pashmina. Voilà. On rangera. Hein? Là, il y a un deuxième foulard. Allez. On déplie. On ne ménage pas sa peine. Je dois tout vous montrer. Vous voyez, foulard en soie. Moi, j'adore. Hein. C'est du Cavaletti. Voilà, c'est la féminité. Vous voyez, ça fait la différence. Ces accessoires qui se marient très, très bien avec les tenues. Donc là, on rentre dans la gamme concept. Donc la gamme concept, c'est du lin ou du coton. Ça fait partie d'Artepura. C'est toujours du lin ou du coton, comme je vous ai dit, des broderies. Et ça existe dans beaucoup de couleurs, jusqu'à 35 couleurs sur le site. Donc là, c'est en capsule dans la collection. Ça, c'est un pantalon en lin. Il a une attache cordon à l'ancienne à la taille, deux poches latérales, modèle très confortable, passe-partout, qui peut servir aussi pour en intérieur, en tenue d'intérieur, qui existe dans les 35 coloris. On a une très jolie pull, hein, avec un vert prairie, une petite maille fine, un petit borcotte. C'est du Cavaletti, toujours le détail, la finition. Cette chemise aussi fait partie du concept, le concept Cavaletti. Cette chemise, vous la retrouverez dans la gamme Artepura. Et elle existe en plein de coloris. Il est vrai que là, le coloris capsule, vous avez vu les boutons en cuivré. La tendance est à cuivré, doré, argenté. Et bien sûr, regardez cette broderie sur la manche. Petit col, chemise. Et jusque dans le bas du dos. Avec trois petits plis. Enfin, pas trois, un, deux, trois, quatre, cinq plis dans le dos. Alors ici on a quoi? Ah ben c'est une écharpe. On va jusqu'à l'écharpe qui est aussi dans les verts et beiges. Hop! Regardez, c'est ton de beige saumonné. Ah puis celle-là, elle est magnifique. Pleine de strass sur le bas. Et ça, c'est l'élégance féminine. Hop! Vous avez vu, je fais le mannequin. Voilà. Ensuite, on a une jupe merveilleuse. Alors, le bas est en tissu enduit qui lui donne son tombé. La taille est élastiquée. La jupe, je regarde, n'est pas doublée. Ah si, si, si. Pardon, elle est doublée. Vous avez un fond de jupe jusqu'à hauteur... à hauteur du volant. Et c'est un dégradé de beige rosé. Alors ce coloris, c'est ça un peu la difficulté entre les beiges, les mordorés et tout ça, c'est le 04 168 et le 04 151.
Voilà, ah, regardez le dos, comme il est beau. C'est un ménage. Et aussi cette patte élastiquée au niveau des épaules, des omoplates. Voilà. Nous avons ensuite un très beau pantalon. Alors, pantalon court, tendance au court. Mais je vais vous en montrer un après sur lequel j'ai craqué. Parce que je fais en même temps que je montre et que je propose, je fais mes propres choix. Donc ce pantalon a une matière très agréable. Il a un côté dégaine et une fermeture éclair avec un bouton. Très joli bouton. Voilà. Petit haut, encore. Petit haut gilet doré. Ça, c'est du Cavaletti pur. Hein. Il n'y a que chez Cavaletti qu'on trouve ce genre de produit. Regardez comme c'est joli sur une robe. Cette féminité avec un bouton cristal en forme de navette. Il y en a un autre et encore un autre. Alors, on va au bout. C'est la fin. Celui-là n'allait pas là. Donc, je vous le montrerai après. C'est celle-ci. C'est une grande veste gaufrée. Une merveille. Avec des petites perles sur... D'abord, elle existe dans tous ses coloris. C'est le bleu lindo. Ne vous y fiez pas, ce n'est pas du parme, c'est plutôt du bleu. Il y a un marron, il y a un top, un blanc cassé et un noir. Voilà, et elle a sur les coutures des épaules des petites perles de cousu. Elle a beaucoup de chic et elle est très pratique. En plus, sa longueur, voilà. Merci.